Bonsoir tout le monde. Ça va? Alors vous m'entendez, vous me voyez? Surtout m'entendre. Si vous m'entendez, n'hésitez pas, hein. On fait comme d'habitude, un pouce. Salut! Alors, est-ce que vous allez tous bien? Tous et toutes? Bonsoir. Ok, bon bah visiblement tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Impossible de voir ce montel là. Salut Marjorie. Ça passe pas avec le téléphone, si tu as possibilité de passer soit sur une tablette ou sur un ordi classique, essaye ça, si ça passe pas sur ton portable. On attend que les gens se connectent. Donc pour ce soir, on fait les petits tests vidéo et son, on n'aura pas pour longtemps. Si vraiment vous êtes dans la capacité de recevoir pour une raison X ou Y, ne vous inquiétez pas, le cours sera disponible en replay. Soit sur Facebook ou soit sur le site sur YouTube sur le YouTube du champion de Never Die. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et puis voilà. Donc ce soir cross training, on va faire une petite partie un peu plus accentuée sur force centrale, donc core training. Force centrale, bah, et muscles centraux, le tronc, en gros, c'est ça, quoi. Avec une petite partie cardio, quand même. Ah, nickel. C'est good. Alors, bonsoir aux gens qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, juste avant de commencer, pour les gens qui ne sont pas habitués ou qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc prenez bien toutes les options. La base, c'est le plus simple, accessible à tous et à toutes. Et ensuite, on augmente en intensité. Vous faites selon ce que vous pouvez faire et selon, bien entendu, si vous avez des soucis santé comme le dos, les genoux, etc., etc. Donc là, préférez les options sans impact qui vous seront proposées dès le départ. Et ensuite, selon l'intensité, et ben voyez ce que vous pouvez faire. Mais si c'est trop intense, ben, passez sur l'option de base. Voilà. Et ça sera déjà pas mal. On va commencer dans une petite minute. Alors, 11 personnes en ligne. Très bien. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour cette petite séance.
mais c'est cool. Je suis bien content pour vous tous et toutes. Par contre, pour la semaine prochaine, tiens, tant que j'y pense. Bonsoir. Tant que j'y pense, on va commencer à s'équiper un peu. Pas de panique, c'est de l'équipement que tout le monde peut trouver chez soi. Donc la semaine prochaine, on prendra, bah pour le mercredi en tout cas, hein. Pour le mercredi, on prendra un pack d'eau, donc bien, bien fissé avec un coup de scotch autour pour éviter les mauvaises surprises. Et puis une bouteille pleine, voilà. Donc je vous le rappellerai la semaine prochaine, mais c'est voilà, je préfère faire le dire maintenant. Ça, personne ne sera pris à dépourvu. Ok, bon bah c'est l'heure. On attaque. Voilà. Allez, c'est parti. Gardez votre bouteille d'eau à proximité. Très bien. On va prendre un écart large sur les jambes. Tout le monde est prêt? Comme je disais, on va prendre un écart large sur les jambes, genoux fléchis, souple. Grandissez-vous, tendez le bout des doigts et relâchez un petit peu la tête. Relâchez le buste vers l'avant, en direction du sol. Et les genoux sont fléchis. Hein. Je relâche les bras, je laisse pendre et je remonte tranquillement. J'enroule un petit peu les épaules. Les épaules, hop, je tends les bras au niveau de la poitrine en direction de l'avant. J'ouvre tranquillement comme si je voulais faire une brasse. J'ouvre la poitrine, hop, et je reviens. Toujours au niveau de la poitrine, hein, pas plus haut. Je pousse, expire, inspire, à nouveau, et expirez. Ressentez les omoplates qui se resserrent lorsque vous faites votre brasse. Très bien. Toujours largeur. Je fléchis. Regarde en direction du sol et je pousse tout doucement. Tirez les fessiers vers le sol. Et expirez. Poussez dans le sol avec vos pieds. Alors de temps en temps, je vais mettre de profil, vous restez tel quel, hein, c'est pour vous montrer les postures. Hop, restez tel quel, il va tranquillement, tout doucement. Les genoux toujours à l'extérieur des hanches, on les pousse à l'extérieur. Et maintenant, on va maintenir ensemble en bas. Hop, on va placer les mains sur les genoux et on ouvre la poitrine, on serre les abdos. On serre, on serre, on serre, on serre. Respire. Pousse. Et maintenant, on pousse vers le sol. Tendez le bout des doigts. Placez les mains au sol. Et placez les genoux au sol. Les mains sont un peu plus larges que la poitrine au niveau de l'écart. Et je resserre les fessiers. Je pousse les mains dans le sol. Je pousse. Alors écoutez-moi bien maintenant. Tendez la jambe droite et resserrez les fesses. Il y a toujours un genou au sol pour l'instant. Tendez la gauche et les deux jambes sont tordues. Serrez les fessiers à fond. Posez. Reposez. Allez, on tend la gauche maintenant. On serre les abdos. On tend les deux jambes et on serre les fesses à fond. Bougez un petit peu la tête. Hop. Genou au sol, on ouvre, on cherche les extérieurs. Allez, c'est parti, plus rapide, squat, plus rapide cette fois-ci. Voilà, continuez, continuez comme ça. Nouvelle option, main droite devant, et cherchez les extérieurs. Pas le plus bas, les extérieurs. Hein. Hop. Quatre. Trois.
on maintient, on ouvre. On ouvre au maximum. Poitrine ouverte. On serre les abdos. Serre les fessiers. Hop. Et on repart. Rapide. Plus rapide cette fois-ci. Poussez les talons dans le sol. Poussez, extirpez-vous du sol. 4, 3, 2, on maintient. Placez main au sol comme au départ. Hop, on ouvre. Un peu plus large que la poitrine. Genou au sol en option, ok? Et là, je plie tout doucement. Je plie, je fais comme je peux. Et je pousse. Je plie. Les coudes sous le niveau des épaules. Bien en dessous. Allez, une dernière. Hop, on remonte. Extérieur. Et on remonte. Très bien, on va faire monter un peu le cardio. Et on commence. Placez les talons sous les hanches. Première partie, vous me suivez. Option sans impact. Je monte le genou, hauteur de hanche, je repose, je monte, je repose. Montée de genou, knee up, sans impact. On augmente un petit peu, toujours le genou sous la hanche. Hein. N'arrondis surtout pas le dos. Marche rapide. Allez, c'est parti. 15 petites secondes. Ça, c'est l'option sans impact. Avec impact, ça donne quoi? Pousser sur les pointes de pied et trottiner. Ok, stop. Allez, on ouvre large. Très large. Allez, c'est parti. Genou extérieur des hanches. Je tire les fessiers vers le sol. Push. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va augmenter un peu plus d'intensité, plus rapide. Poussez plus fort dans les talons dans le sol et expirez. Continuez comme ça. Plus rapide, plus rapide. Allez, stop. On passe comme tout à l'heure sur la marche rapide ou sur le trottinage. Allez, c'est parti. Knee up. Allez, bougez les bras. Faites au mieux que vous puissiez faire. Bougez. On n'oublie pas l'option sans impact, hein, c'est celle-là. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On serre bien les abdos. On souffle. 5 petites secondes encore. Ok, stop. On place en squat. Avec d'autres options. On en était là. Écart large. Genou extérieur des hanches. On cherche moins de vitesse maintenant. On va aller tout doucement. Au même rythme. On tire en 3. 3, 2, 1. On maintient. On ouvre les genoux. Et on repousse tranquillement. 3, 2, 1. Le regard en direction du sol. Et je tire les fessiers vers l'arrière. Serrez les abdos. Poussez. 3, 2, 1. On attend encore un petit peu. On ouvre les genoux. Et on pousse rapide. On descend. 2, 1. On maintient, on serre bien les abdos. Et on pousse. Dernière. 3, 2, 1. On maintient. On serre les abdos. On sent bien le dénouement à l'intérieur des cuisses et au niveau des hanches. Ok. Allez, on part en knee-up. Ou en marche rapide. Pour l'option de base. Allez, on monte un peu plus haut les genoux. Un peu plus rapide. Un peu plus. Encore.
Allez, 10 petites secondes encore. 10 petites secondes. Poussez sur les pointes de pied, voilà. Que ça soit avec ou sans impact. Poussez sur vos pointes de pied. Allez, plus haut, plus vite. 4, 3, 2. Dernière. On maintient. On ouvre les genoux au maximum. Redressez la poitrine. Et serrez les abdos. Creusez le ventre. Creusez. Voilà. Vous voyez votre nombril? Vous allez le tirer vers votre dos. Allez, on sent bien le dénouement. On repose tranquille. Les mains au sol. Option genou au sol. Ça donne ça. Main sous le niveau des épaules. Il est un peu plus large que votre poitrine. Tendez la jambe droite, jambe gauche. Resserrez les fessiers, maintenez. Et reposez. Ok, on peut relâcher un peu son dos. Tirez les fessiers vers les talons vers les fessiers, pardon. Et posez le front au sol. Voilà, relâchez les bras. Et on se redresse tranquillement. Ça va ? Profitez-en pour boire un petit coup, petite pause, le temps que je vous explique la suite. Alors là, on a fait monter le cardio, hein, tranquillement, mais sûrement. Aujourd'hui, comme je vous disais, petite partie core training, donc on va travailler beaucoup le tronc, faire pas mal de planches. Et on alternera là-dessus. Donc juste une petite question avant de poursuivre. Est-ce que vous voyez bien quand je me mets en planche, quand je suis en bas? Si c'est bon, mettez un pouce, hein, s'il vous plaît. Bon, le temps que vous buvez un petit coup, je vais vous expliquer ce qu'on va faire en deuxième partie. Alors. Donc en deuxième partie, on commencera au sol. On commencera au sol. Ceci, genou au sol, ce que j'appelle les orteils engagés, c'est-à-dire on ne frotte pas ses chevilles, hein, ça s'assied pas dessus. Les orteils sont prêts à vous faire redresser ou bondir entre guillemets. Et on va commencer là-dessus. Donc, comme d'habitude, vous me suivez, je vais vous donner ce qu'il y a à faire. Très bien, vous avez le temps de vous reposer, c'est bon? On attaque. Ok, donc vous restez comme vous êtes. Moi, je vais me mettre de profil. Ça, vous voyez tout. Alors, on commence. Genou au sol et orteils engagés. Donc, on va placer ses mains comme vous voulez. Hein. Je les mets comme ça, tant que ça ne pendouille pas. Et je resserre très fort les fessiers. Je resserre très fort les fesses et les abdos. J'inspire. J'expire. Et je resserre, je contracte les abdos. Je serre au maximum. Ventre au plus plat possible. Vous allez sentir sur les côtés et sur le dos. Vous allez sentir une contraction. Je relâche, j'inspire. Et pour la prochaine partie, je vais placer les mains sous le niveau de mes épaules. L'écart un peu plus large que ma poitrine. Et les genoux au sol. Je pousse les hanches vers l'avant
Et regardez bien, mon épaule est alignée sur ma hanche. J'ai pas de pincement sur le dos, j'ai aucune gêne. D'accord? Je resserre les fessiers à fond. Je tends la jambe droite et je tends la jambe gauche. Je resserre les fessiers et je maintiens la planche active. Je pousse les mains dans le sol. Et j'expire en serrant mes abdos. Maintenant, regardez bien. Genou droit, rase le sol. Je reviens. Je plie la jambe gauche. Genou gauche, rase le sol. Et j'y vais tout doucement, tout doux. Il y en a pas mal qui le connaissent. Celui-là, c'est le mountain climber. Version musculaire, donc on y va tout doux. Quand je rapproche un genou de ma poitrine, je resserre les abdos. Et quand je tends les jambes, je resserre mes fessiers à fond. On y va tout doux, voilà. Super slow. Maximum de ressenti. Vous pouvez prendre toujours une micro-pause si c'est dur pour vous en posant les genoux quelques instants. 4, 3, 2, on maintient la planche active avec option genou au sol. Hop, jambe droite extérieure, main droite. Cherchez l'extérieur et pas la hauteur. Gauche, et on se redresse. Écart large sur les jambes et je pousse le buste en avant. Je redresse, j'expire. Regardez toujours votre sol. Et hop, c'est un mouvement de bascule. Je bascule vers l'avant, je serre les fessiers. Toujours l'épaule alignée sur ma hanche. Clac, belle ligne. Et en fin de mouvement, je vais resserrer mes fessiers à fond. On serre. On sent bien au niveau des fesses. Extérieur des cuisses. Plus que deux. Et voilà, dernière. Allez, on passe comme tout à l'heure au sol. La planche avec genou au sol en option. Un peu plus large que la poitrine. On peut tendre les deux jambes. Et comme tout à l'heure. Genou gauche rase le sol. Je veux que le genou rase le sol. Hein. Et j'alterne genou droit. Plier une jambe. Et plier l'autre. Continuez. Vissez, poussez les mains dans le sol. Serrez les fessiers quand vous tendez les jambes. Option plus intense maintenant. Le genou droit, rase le sol et je maintiens. 3, 2, 1, je repousse. On marque un petit temps d'attente et c'est le genou gauche. 1, 2, 3, je resserre les fessiers. Genou droit, je resserre les abdos et je repousse. Allez, encore une fois, de chaque côté. Le dernier, c'est maintenant. Hop. Allez, je remonte. Je prends toujours l'écart large. Et je bascule vers l'avant. Extra large sur les jambes. Genoux extérieurs de vos hanches. Et les genoux glissent sur la pointe des pieds. Comme s'ils étaient alignés. Ça ne crée aucune contrainte sur vos genoux. Vissez le sol, bout des doigts, et poussez sur vos talons. Je vous pousse dessus. Je vous contracte les fessiers à fond. Donc il nous restera une dernière petite série avant de rattaquer la partie cardio. Allez, plus que 3. Maintenant, vous allez pousser les talons dans le sol et griffer avec vos pointes de pied. Griffer le sol. Voilà. Et le dernier. Ok, on passe en planche. Dernière. Option genou au sol.
et option plus intense, comme je suis. J'ai entendu. Allez, on recommence. Genou gauche, ras au sol. Montée musculaire. J'y vais tout doucement. Je resserre les abdos. Et je resserre les fessiers. J'espère que vous sentez vos abdos et votre dos. N'est-ce pas? Vissez les mains dans le sol. Si ça devient très dur, serre un peu plus fort les fessiers. Toujours en option. On peut reposer les genoux au sol quelques instants. Faites selon votre niveau. Très bien. Maintenant, maintiens la planche active. Le genou gauche. Je le plie en direction du sol. Et là, regardez bien. Le but, je le pivote. Et je croise. Genou gauche sur la main opposée. Je plie le droit. Pivote mon buste, je suis un peu sur le côté et le genou en direction de la main opposée. Je croise, genou, je pivote et je croise, genou et je croise vers l'autre main. Continuez. Allez, courage, vous y êtes presque. Dernière, 4, 3. 2, 1, je suis sûr que tout le monde a fini. On se redresse. Ok, allez, fin de la deuxième partie. Buvez un petit coup. Et on va attaquer la partie un peu plus challenge. Ouais, c'est le but. Je l'avais dit, aujourd'hui, il y a un peu plus de core training. Hein. Un peu moins de cardio, un peu moins. Parce qu'on va, on va revoir ça sur la troisième partie, n'est-ce pas? Mais planche. On va vous montrer comment travailler le tronc, ce que c'est le fameux core training. Certains et certaines d'entre vous le savent déjà, ce qu'ils l'ont déjà fait en centre. Là, on va vous rappeler les bons souvenirs. Alors, je vous laisse vous reposer un peu, boire un petit coup. Pour la partie cardio, ça va aller un peu plus vite. Ça va être que des mouvements simples. On ne va pas en voir 50 aujourd'hui. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Par contre, on va aller voir sur beaucoup, beaucoup d'autres déclinaisons. Comme d'habitude, je pense que vous avez tous pris le coup. Option de base. Hein. Si on ne peut pas, on reste sur l'option de base. Par contre, si vous pouvez, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à pouvoir, vous pouvez monter graduellement l'échelle de difficulté. Alors, pour cette partie-là, Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes d'effort, 10 secondes de repos, je vais y arriver. Excusez-moi, c'est mon moment dyslexique. Donc, en gros, bah, ça va pas s'arrêter pendant 3 minutes 30 environ. Donc, c'est normal, c'est la partie challenge. Donc, c'est normal. Ensuite, un peu de core training et ce sera très bien pour ce soir. Tout le monde est prêt, prête? Faites bien reposer là. Allez, on attaque. Donc, comme d'habitude, si je me mets de profil, vous restez dans le sens que vous êtes. Allez,
Allez, c'est parti pour 3 minutes 30 de folie. Donc on va commencer. Hop, toujours large, comme d'habitude, en sumo. Même principe. Genou extérieur des hanches. Et c'est parti. Squat. 20 secondes. Hop. Donc là, on va chercher un peu plus de rapidité. Pas d'option pour le moment. J'ai bien pour le moment. Hop. On cherche la rapidité. Pousser ta main dans le sol. Une option un peu plus intense. On peut pousser un peu plus fort les talons pour gagner de la vitesse. 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Jump squat. Hop. Petit bond. Tac. Je pousse sur les pointes de pied. Petit bond. Option sans impact. Squat. Sans bond. Un simple squat. Mais rapide. Plus rapide. Plus rapide. Et l'option avec plus d'intensité que je vous ai présenté, le jump squat. Allez, stop. Cette fois-ci, main au-dessus de la tête, on pousse et on tire les fessiers. On reste sur du squat. Poussez les genoux extérieurs. Choisissez large. Poussez les mains comme si je passais pour vous pousser, pour vous déstabiliser. Moins de 10 secondes. Dégagez les épaules. Ok, stop. Squat rapide. Squat rapide. Et avec plus d'intensité, jump squat. Pour l'instant, on ne change pas. Poussez sur les pointes de pied. Soufflez. Voilà. Allez, rapide, 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 rapide. Ok, stop. Squat. Et on maintient la planche. Avec genou au sol en option. Hop. Et on remonte. Ok, c'est reparti. Soit le squat rapide, option sans impact. Je pousse plus fort, plus vite. Ou soit jump squat. Et là, je vais chercher plus de hauteur. Poussez plus les genoux. Et vous pouvez vous aider avec les bras. Tac. Allez, plus haut. Allez, stop. Overhead press, comme tout à l'heure. Squat. Il ne reste plus grand chose. Une petite minute, 30. Continuez. N'oubliez pas. Je tends pas les bras, je m'en fous de ça. Je suis là pour vous pousser. Donc résistez. Ça les omoplates. Ok. On change un peu. Hop. Option avec impact. Comme tout à l'heure, trottine. Sans impact. En marche rapide. Comme je viens de faire. Comme je fais, pardon. Choisissez l'option qui vous va le mieux. Dans tous les cas, on va accélérer un peu. Plus haut les genoux. Plus haut. Poussez plus rapide sur les pointes de pied. Ok, stop. Overhead press. Allez, c'est bientôt fini. Nouvelle option, je peux me mettre en mode prisonnier. C'est-à-dire les mains derrière le crâne. Toujours extérieur des hanches. Stop. Allez. C'est parti. Squat. Maintenez la planche. Et remontez dans la foulée. Ça, c'est l'option sans impact. Burpee musculaire. Hop. Et maintenant, option avec impact. Squat. Saute. Et reviens. Squat, saute. Voilà,
continuer. Oh merde. Allez, 10 petites secondes. J'espère que vous êtes toujours là. 4, 3, 2, 1, stop. Très bien. C'est fini. Allez, marchez un petit peu. Prenez un peu votre souffle. Prenez votre souffle, marchez tranquillement chez vous. Hein. Boire un coup après, le temps de faire retomber un peu la fréquence. Donc très rapide. On a fait le maximum d'efforts. On n'a rien de temps. Alors, je voulais souffler un petit peu, puis on va faire la dernière partie. Dernière partie core training. Différente de celle que on a faite tout à l'heure. Alors, mettez vos émotions, toujours la tech, un peu gros derrière vous. Très bien, je vais m'installer, puis on attaque. Donc là, toujours à votre rythme, on va travailler selon le ressenti, comme la deuxième partie, c'est le même principe. Donc, tranquille. Le but c'est de faire le moins possible, mais avec le maximum de ressenti. Rien ne sert à faire dans la quantité. Alors, on va commencer dos au sol, comme ça. Et genoux fléchis, voilà, de manière à être le plus à l'aise possible sur le bas de votre dos. Pas de tension, pas de pincement. Si c'est le cas, je fléchis les genoux pour trouver la position dans laquelle je serai le plus confortable possible. Et si j'ai des petits problèmes de dos, je pourrais toujours, à tout moment, poser mes mains sous les fessiers, ok? Donc là, vous allez voir que mes genoux, faute de place, c'est pas le plus important c'est avec le haut du corps. Donc je vais placer le bout de mes doigts derrière le crâne, ok? Juste derrière la petite bosse, on a une petite bosse, on la sent. On place le bout des doigts, par contre, le bout des doigts seulement. Et je vais pousser les coudes dans le sol. Je ressens les omoplates qui se resserrent et qui creusent un petit peu dans le sol. En tout cas, c'est l'impression que ça vous laisse. Je maintiens. Je relâche la tête, je la repose au sol. Inspirez, profond par le nez, expirez, décollez les omoplates. Resserrez le ventre, contractez les abdos. Bougez un petit peu la tête et surtout, les doigts sont souples. Je ne crochète pas les doigts sur ma bosse. Je repose. Continuez. Inspire,
expire. Et vous allez décoller les omoplates. Et tirer les coudes vers le sol. Les tirer au maximum. Je resserre le ventre, je creuse. Je bouge la tête à droite et à gauche. Et je repose. Une dernière. Je bouge les doigts derrière le crâne. Et je tire les coudes vers le sol. Ils sont aimantés vers le sol. Ça donne ça. Je bouge un petit peu la tête. Et je repose la tête enfin. Décoller les talons. Jambes à 90. Et je resserre mes fessiers à fond. Je resserre. Je veux que les cuisses soient collées l'une contre l'autre. Je veux qu'elles soient serrées. Serre au maximum. Resserrez. Inspirez. Et placez les mains sur les cuisses. Là, vous êtes obligé de contracter les abdos. De tirer le nombril. De le rapprocher de votre dos. Ou de votre colonne. Inspirez. Et vous allez resserrer les fessiers très fort. Resserrez. Et pour l'instant, je ne pousse pas sur mes mains. Les mains sont posées sur mes cuisses. Vous resserrez vos fessiers à fond. Vous serrez les cuisses. Ok ? Je repose. On passe sur le premier. Exercice. Le bout des doigts derrière le crâne. Les coudes sont poussés dans le sol. Et j'ai déjà les omoplates qui sont décollées. J'expire. Et j'enroule le menton à la poitrine. Regardez, c'est un petit mouvement. Les doigts ne crochettent pas sur mon crâne. Ils sont posés dessus, délicatement. Je repose. Inspire. Poussez les coudes dans le sol. Et les épaules sont décollées. Expirez. Et maintenez la contraction. Serrez les abdos à fond. Bougez un petit peu la tête. Droite, gauche. Ne vous ankylosez pas. Restez mobile. Reposez. Et une dernière fois. Les coudes dans le sol. Mes omoplates sont décollées. Hein. Sentez bien, elles sont resserrées. J'expire. Et j'enroule à peine le menton à la poitrine. J'enroule à peine. Hein. Et là, vous visualisez votre nombril. Vous le tirez vers votre colonne. Ou vers le sol. Creusez. Reposez. Décollez les talons. Jambes à 90, comme je suis. Et je resserre les cuisses à fond. Là, il n'y a plus d'espace entre les deux cuisses. D'accord ? Je resserre à fond. Je serre à fond les fessiers. Et je maintiens comme ça. Quand je resserre, j'expire. Et je creuse encore un peu plus le ventre. Je contracte les abdos à fond. Là, on le ressent bien sur le bas du dos. Les muscles. Les dernières lombaires. Le bas de votre dos s'imprime dans le sol. Reposez. Placez le bout des doigts. Dernière série. Poussez les coudes dans le sol. Et les omoplates sont décollées. J'enroule le menton à la poitrine. Et là, je vais tenter de décoller les coudes du sol. Ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Je cherche pas à monter le buste. Je cherche à serrer beaucoup plus le nombril. Là, on ressent la contraction sur les abdos. Là. On ne peut plus rien faire. C'est normal, vous êtes en sûreté, en sécurité. On repose. On relâche un peu la tête. Bout des doigts, coude dans le sol et on repart. J'enroule le menton à la poitrine. Et je resserre un peu plus fort les fessiers. Je bouge aussi la tête. N'oubliez pas vos doigts. Voilà. Ne resserre pas sur votre bosse. Hein. On ne tire pas vers l'avant. Les coudes sont toujours aimantés vers le sol. Et une dernière. Avant le clou du spectacle. Vous savez toujours qu'il y a une petite surprise. Une bonne. Hein. Je resserre les abdos. Je bouge un peu la tête. Je replace. Et maintenant, pour la fin. Jambes à 90. Et je veux que vous resserrez vos fessiers, vos cuisses, au maximum possible. Il n'y a plus d'espace entre les deux. Et je resserre. Je resserre. En lâchant les fessiers qui se contractent à fond aussi. Et je resserre aussi mes pieds. Comme ça, je contracte le tout. J'expire. Je resserre le nombril. Je creuse le ventre. Et je vais placer les mains sur les cuisses. Un petit peu en dessous des genoux.
inspirez. Et en serrant vos fessiers, vous poussez sur vos mains. Résistez au maximum. Le but, c'est pas que les jambes partent en avant. Résistez. Poussez. Serrez le ventre. Expirez. Bougez un peu la tête. Et reposez. Très bien. Bravo à vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Bravo à vous. Merci. Voilà. Est-ce que ça a été? Ça a été le dernier? Merci. Donc vous voyez ce que c'est un core training. Là, vos abdos vont s'en rappeler. Et votre dos aussi, dans le bon sens du terme. Maximum de ressenti. Maximum à chaque fois. Donc ça, on le reverra sous différentes formes. Et avec les options pour tout le monde. Si tu sens encore tes quadris, c'est que c'est bon signe. C'est normal, c'est fait pour. Ah, t'inquiète pas, c'est pas tombé l'oreille d'un son, Marjorie. Rendez-vous la semaine prochaine, il y aura d'autres options, n'est-ce pas? Très bien. Alors, avant de vous laisser, n'oubliez pas de... Vous pouvez revoir ce cours comme les autres cours. Ce cours de boxe. Etc, etc, soit sur le repli des réseaux sociaux, donc Facebook et Insta, ou soit sur le YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné YouTube Champion Never Die, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à boire un bon coup après, une fois que vous serez bien reposé. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir participé, et on se revoit mercredi prochain. Voilà, en tout cas pour le cross training. Et rendez-vous pour les autres jours habituels, donc lundi et vendredi, pour tout ce qui est boxe et Muay Thai. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Bonne soirée à vos proches. Et à bientôt. Salut tout le monde. Et merci encore. Mm-hmm.